Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on parle du roman policier Homicide, point ne sera. Donc, comme mentionné, on va parler du roman policier aujourd'hui, Homicide, point ne sera, écrit par Jean-Pierre Charland de sa série Une enquête d'Eugène Dolan. C'est d'ailleurs la quatrième aventure du détective. Je peux vous nommer les titres des trois premières aventures si vous voulez retourner en arrière un petit peu. Père et mère, tu honoreras. Un seul Dieu, tu adoreras. Impudique, point ne sera. Donc, vous voyez, on est sur les grands commandements et ici, on est homicide, point ne sera. Donc, comme on dit, bon, si j'en parle un peu du policier, ceux qui n'ont pas lu les tomes précédemment, qui est Eugène Dolan, c'est un policier à la ville de Montréal, au poste de police numéro 1. Il est devenu inspecteur après avoir fréquenté le petit, le grand séminaire de Montréal pendant une dizaine d'années. Et puis maintenant, depuis 2 ans, il est marié, non, une année, il est marié avec Éléonore, qui est une riche écossaise. Donc, il y a une différence de classe sociale entre les deux époux, ce qui était plutôt rare à l'époque. Donc, on est à l'automne 1907, au début du quatrième tome. Eugène Dolan est situé à Montréal, mais tout à coup, il y a un crime qui est commis dans les Laurentides, à Bedard's Mills, qui est situé à côté de Sainte-Agathe. Normalement, bon, on retrouve le cadavre d'un jeune garçon. Et puis, bon, sur le coup, on ne s'aperçoit pas qu'il y a eu crime, mais quand le coroner va expertiser le corps, on s'aperçoit qu'il y a eu un coup porté qui l'a probablement tué. Donc, on va devoir confier l'enquête à un policier. Normalement, c'est la police provinciale qui devrait s'occuper de l'enquête, mais on manque de policiers. Donc, on transfère l'enquête à la police de Montréal et c'est Eugène Dolan qui va être envoyé pour enquêter. Ça donne bien puisque sa femme est présentement malade et elle a besoin d'aller en région, si je peux dire, pour prendre le grand air. Donc, notre policier va s'en aller à Bedard's Mills et là, il va se retrouver un peu dans un milieu clos. Hein. C'est un petit milieu. Dans un rang, seulement 2 familles, tout le monde est parent avec tout le monde. Et on voit qu'il y a des choses, que tout le monde dit des choses, oui, mais il y a des choses, il y a des non-dits, il y a des choses à cacher. Bon, la seule chose qu'on s'entend, c'est que le jeune garçon qui est décédé méritait, si je peux dire, sa mort, puisqu'il était détesté de tout le monde, il était très méchant, il frappait ses soeurs, il les poussait dans les escaliers. Il y a eu d'autres crimes avant ça, on se demande si c'est lui qui aurait pu les commettre. Mais tout ça pour vous dire que Eugène Dolan aura fort à faire pour démêler toutes ces histoires et voir qui a pu commettre ce meurtre. Comme toujours, c'est un roman qui se lit comme très bien. Écoute, c'est du bonbon, comme on peut dire. C'est Jean-Pierre Charland nous a appris à écrire des grands romans. Et moi, personnellement, je suis un fan de cette série-là policière avec Eugène Dolan. Je pense d'ailleurs que le cinquième tome va sortir à l'automne. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne série policière et une bonne semaine.